Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Histoires avec Mackensia. Adieu le divorce. Voici la meilleure méthode pour garder votre femme joyeuse amoureuse amoureux amoureuse amoureux. Cadratin. Ne criez pas sur votre femme lorsque vous lui parlez. Cela la blesse vraiment. Proverbe 15:1-2 Ne parlez pas mal d'elle à qui que ce soit. Votre femme deviendra qui vous l'appelez. Gêne, 2:19-3 Ne partagez pas son amour ou affection avec une autre femme. Cela s'appelle adultère. Math, 5:28-4 Ne comparez jamais votre femme à une autre femme. Si l'autre femme était bonne pour vous, Dieu vous l'aurait donnée. 2 Cor, 10:12-5 Soyez gentil et accueillant. Elle a beaucoup sacrifié pour être avec vous. Cela la blesse profondément lorsque vous êtes dur et irritant. Soyez tendre, EPH, 4:2-6 Ne lui cachez rien. Vous êtes maintenant un et elle est votre aide qui vous convient. Qu'il n'y ait pas de secret que vous lui cachez. Gêne, 2:25-7 Ne tenez pas de propos négatifs au sujet de son corps. Elle a risqué sa vie et beauté pour porter vos bébés. Elle est une âme vivante et juste de la chair et du sang. 8. Ne permettez pas que son corps détermine sa valeur. Chérissez et appréciez la même jusque dans la vieillesse. EPH, 5:29-9 Ne criez pas sur elle en public et en privé. Si vous avez un différend à régler avec elle, faites-le dans le privé de votre chambre. Astérisque mat. 1:19 Astérisque. 10. Remerciez et appréciez-la pour le fait qu'elle est en train de prendre bon soin de vous, les enfants et la maison. C'est un grand sacrifice qu'elle est en train de faire. 1 Tessa, 5:18-11 Toutes les femmes ne peuvent pas cuisiner de la même façon, appréciez le repas de votre femme. Il n'est pas facile de faire le repas 3 fois par jour, 365 jours par an pendant des années. Pro, 31:14-12 Ne mettez jamais vos frères et sœurs avant elle. Elle est votre femme, elle est un avec vous, elle doit venir avant votre famille. Gêne, 2:24-13 Investissez sérieusement dans sa croissance spirituelle. Achetez des livres, cassettes, CDS et tout matériel qui l'édifiera et fortifiera sa marche avec Dieu. C'est ça la meilleure chose que vous pouvez lui faire.